Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Pourquoi une fille de 11 ans se marie-t-elle? Demandez-vous. N'est-ce pas juste faux? Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Jim Z, l'homme sur les photos, promène Josie, âgée de 11 ans, sur l'île. L'histoire est plus que touchante et triste que vous ne pouvez l'imaginer. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous raconter l'histoire de Jim Z, âgée de 102 ans, et de Josie, âgée de 11 ans. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et c'est parti. Jim Z souffre d'un cancer qui limitera sa vie. Et il ne lui reste que des années à vivre. Sa fille voulait que son père la voie marcher dans l'allée avant son décès, et elle a réalisé son souhait. Ce n'est pas un mariage organisé par un polygame bizarre. Cette scène est une scène pour un père mourant qui voit un de ses derniers souhaits exaucé. Et c'est un moment vraiment émouvant. C'est déchirant de voir une fille qui adore clairement son père en sachant que son mariage avec lui n'est que la répétition générale. Pourtant, il savourait le moment du mieux qu'elle pouvait. Jim Z a un cancer du pancréas de stade 4 et il ne lui reste plus que quelques années à vivre. Quelle meilleure façon de passer vos derniers jours qu'avec votre fille et votre femme. La communauté s'est réunie pour aider une famille dont les ressources sont affectées aux factures médicales en fournissant des gâteaux, des décorations et d'autres éléments qui rendent tout mariage spécial. L'alliance est si importante qu'elle a son propre doigt qui lui est réservé. Et Big Jim respecte définitivement cette distinction. Il a glissé la bague et son index à la place, comme un père. C'était un vrai mariage à part entière à presque tous les égards, sauf pour une mariée et un mari. Pourtant, la famille a dû oublier un jour que la vie peut être cruelle. Ce mariage a été organisé en 72 heures par une amie qui était déterminée à ce que Josie ait une vidéo d'elle et son père marchant dans l'allée à son mariage. Et c'est ce qu'elle a fait. Ce fait de dire que nous avons des mois ou des années à vivre est une expérience inimaginable. Et de prendre soin de ce qui vous tient le plus à cœur dans cette vie avant de mourir est ce qui compte le plus. Josie et Jim partagent un moment d'entre et l'un des derniers qu'ils auront jamais ensemble. C'est l'un des moments les plus purs et les plus chaleureux que vous ayez jamais vécu entre le père et sa fille. Lindsay Villatoro avait un jour révélé au Daily Mail que si vous réveillez un jour et réalisez que vous avez la possibilité de changer la vie de quelqu'un pour le mieux, vous avez une idée, ne réfléchissez pas à deux fois et courez avec. C'est pourquoi elle a décidé de donner quelque chose à Z qui ferait de ses derniers jours sur Terre de quoi être fier. Rappelons qu'elle avait rassemblé suffisamment de fonds pour acheter un gâteau, une robe, des fleurs et un service de restauration, ainsi que des cheveux et du maquillage gratuit pour créer ce moment spécial. Et vous, chers éclaireurs, que pensez-vous de cette réalité? Dites-le nous dans vos commentaires. À plus une prochaine vidéo. Bye bye!